से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Biksha, il est en train de pleuvoir. Allez, viens te mettre à l'abri. Maman, dépêche-toi. Maman, dépêche-toi, tu vois pas qu'il pleut? Allez, allez. Où est-ce que tu vas? Vous n'avez quand même pas oublié le plaisir d'être mouillé par la pluie? Vous ne voulez vraiment pas vous faire mouiller par la pluie? Vous n'avez pas envie de danser sous la pluie? Allez, tout le monde! On se cache tous les jours sous les toits ou alors derrière des murs. Aujourd'hui, on a une chance inouïe de danser sous la pluie. Non, mais ça va pas à la tête. Et si nos enfants tombent malades? Et alors, qu'est-ce qu'ils feront à l'intérieur? Jouer à des jeux vidéo? Regarder la télévision, ça n'améliorera pas leur santé. C'est pourquoi, je vous le dis, aujourd'hui, cette pluie et ce camp ne reviendront plus jamais. Ne perdez pas cette occasion. Les enfants, vous n'avez pas envie de vous tremper? Pour sauter dans les flaques et danser sous la pluie? Allez, venez! Ne gâchez pas cette journée. Profitez de cette journée. Allez, tout le monde, venez ici et dansez avec moi. Souvenez-vous de votre enfance avec tous ces enfants. Allez, profitez de la pluie. Ne restez pas là. Allons-y. Docteur Bozet, non. Venez. Venez sous la pluie. Sonakshi, il ne s'agit pas de nous. Sonakshi, tu es devenu comme le dev d'il y a 7 ans. Mais tu sais, tu n'y gagneras rien, vraiment rien du tout. Tu peux me croire. Bon, comme tu voudras. Suana? Je ne suis pas comme toi. सांसें
कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी मामा Irresponsable, n'importe quoi, absolument impossible. Tu vas bien? Maman? Docteur Bosé, comment va Swana ce matin? Elle éternue beaucoup. Où est le docteur? Il pourrait prendre un peu plus de temps. En fait, cet endroit est loin de la ville. Exactement, c'est un camp pour enfants, et c'est si loin de la ville. Que feriez-vous en cas d'urgence, hein? Vous auriez dû garder un médecin sur place. Je suis désolée, docteur Bosé. Je vais vérifier tout de suite. Swana, comment tu te sens ce matin? Je vais beaucoup mieux, monsieur Dixit. Oh, tu as de la fièvre. S'il te plaît, repose-toi. Je reviens, d'accord? Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Tu as vraiment de la fièvre. Désolée, maman. Pas de problème, le médecin arrive et te donnera des médicaments. Et ma soie ira beaucoup mieux, je te le promets. Oh, c'est pas possible. Swana a de la fièvre. Et tout ça, c'est à cause de moi. Je suis tellement stupide. Allô? Oui, maman? Dev! J'attendais ton appel depuis un bon moment. Je voulais t'appeler, mais j'ai pensé que... Que tu étais avec Swana, alors... Et comment va-t-elle? Tu t'amuses bien, hein? Est-ce que je lui manque? Dis-moi. Maman, j'ai commis une erreur. Une erreur? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je pensais que tous les enfants seraient contents d'être trempés par la pluie. Tout le monde s'est bien amusé, mais maintenant... Swana est malade. Et c'est de ma faute. Oh mon Dieu, Dev, mais pourquoi tu as laissé les enfants se tremper pendant cette pluie? Mais maman, tu ne te souviens pas que moi aussi j'étais trempé? Tu faisais quelque chose pour moi, non? Quand je tombais malade. Oui, tu sais, cette décoction, je vais devoir en donner à tous les enfants. Écoute, je vais faire une chose. Je vais préparer la décoction et vous l'amener avec le chauffeur. J'y serai dans quelques heures, d'accord? Non, maman. Non, ne viens pas. Ça prendrait trop de temps. Je vais la préparer ici. Mais comment peux-tu la faire, mon fils? Je vais la faire et puis je pars tout de suite. Maman, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Tu n'as qu'à me donner la recette et me guider, parce que le temps que tu arrives... Il sera très tard et il n'y a pas de médecin à proximité. Et la fièvre de Swana doit baisser. Dev, tu ne sais même pas où se trouve la cuisine dans ta maison. Tu ne sais même pas comment faire pour allumer le gaz. Et si tu manquais une étape? Maman, ne t'inquiète pas. Laisse-moi essayer, j'y arriverai. Madame Sharma? Dites-moi, que dois-je ajouter? Ajoute d'abord le gingembre dans l'eau. Ok, je m'en occupe. Et ensuite? Ensuite, tu mets de l'ail. Je vais vous le donner. D'accord. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Dev? Rien, maman. Attends, une minute. Ok pour le gingembre et l'ail. La prochaine étape? Les graines de cannelle et tu rajoutes du poivre. Tu mets des feuilles de basilic. C'est ça, du basilic? Oui, c'est ça. Ajoute 4 ou 5 feuilles. D'accord. Basilic, c'est fait. Ensuite, maman? Maintenant, tu laisses bouillir tout ça. Et tu filtres après 5 minutes. Et sers-le à ta fille, d'accord? Mais comment est-ce qu'elle va boire ça? Ça doit être très amer. Comme toi, tu pinçais ton nez pour le boire, eh bien, elle fera pareil. Tous les médicaments sont amers. Je te racontais beaucoup d'histoires pour que tu arrives à le boire. Avec ta fille, tu agiras de la même façon. À quoi tu penses, Dev? Maman, elle a de la fièvre et c'est à cause de moi. Je suis irresponsable. Je suis un mauvais père. Tu sais, tous les enfants pensent que leurs parents savent tout sur tout, mais le fait est que même les parents grandissent avec leurs enfants.
toutes les mères pensent. Quand une mère gronde son enfant, elle pense qu'elle fait du mal à son enfant. Et quand elle lui fait des compliments, alors elle pense qu'elle est en train de le gâter. C'est pas facile pour les parents de tout apprendre. En fait, ils apprennent de leurs erreurs. Je suis sûre que tu seras le meilleur papa du monde. N'y pense pas trop. Allez, dépêche-toi de lui donner ça. Je suis sûre qu'elle va guérir très vite. Ok, maman. Je vais raccrocher. Merci. Et demande-lui... Tout est bien qui finit bien. Il s'est déconnecté. Alors comme ça, tu es devenu médecin. Un vrai docteur. Tu l'as très bien guidé. Voilà, c'est prêt. Oh, oh monsieur Dixit, soyez prudent. Vous pouvez utiliser ce tissu. Oui, merci. Je vais donner ceci à Suana. Servez le reste aux autres enfants. D'accord, très bien. Maman, non! Sua, allons, ma chérie. Comment comptes-tu guérir sans une piqûre? Voyons, viens. Non, maman, s'il te plaît. Hé, ça ne fera pas mal, promis. Allez. Non, maman! Non, maman! Chérie, ça ne fera pas mal. Continuez. Non, maman, une injection? Docteur, est-ce que l'injection est vraiment nécessaire? Dev, comment va-t-elle guérir sans la piqûre? Ça ne serait pas arrivé si tu n'avais pas parlé de liberté d'esprit et de vivre ton enfance. Écoute, Sua, si tu prends ta piqûre, tu auras un soulagement instantané et je te ramènerai à la maison. D'accord, Sua? Allez, viens, faites-lui cette piqûre. Non, maman, les piqûres, ça fait mal! Ça ne fera pas mal, je te promets, maman est avec toi. Sonakshi, s'il te plaît, ne la force pas à faire cette injection. J'ai une boisson à base de plantes, le soulagement sera instantané. Ah super, tu inventes de nouveaux remèdes. Non, elle ne va pas boire ça. D'ailleurs, qu'est-ce que ça contient? J'en buvais aussi quand j'étais petit. C'est magique. Elle ira mieux dans 30 minutes. Sa maladie va complètement disparaître. Je t'ai déjà fait confiance. Vivez votre enfance, profitez de la pluie et amusez-vous. Et voilà. Allez-y, faites la piqûre. Écoute, ma chérie... Maman, s'il te plaît, je veux prendre cette boisson. J'ai pas envie qu'on me fasse de piqûres. Sua, ne sois pas si obstinée. Allez, viens. Non, maman. Maman, s'il te plaît, donne-moi ça. Je veux pas qu'on me fasse de piqûres. Si ça se trouve, ça va guérir la fièvre et on n'aura pas à rentrer chez nous. Et si jamais ça marche pas, eh ben, je te promets que je ferai ce que tu dis. Tu le laisseras faire la piqûre? Oui, maman. Très bien. Super. Pardon, docteur. Bien sûr. Suana. Allez, tiens, bois ça, s'il te plaît. Ah! C'est quoi? Attends, je ne t'ai pas raconté l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Il y a une histoire derrière ça, et si je ne te la raconte pas, cette potion magique ne fonctionnera pas. Une histoire? Oui. En fait, cette décoction, elle a des pouvoirs magiques qui ne se transmettent que dans notre famille seulement. C'est pourquoi j'aimerais te la transmettre. Tu sais, après l'avoir bu, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, il est devenu tellement fort et tellement puissant que quand il frappait le sol, ça faisait un trou. Et son arrière-arrière-grand-père avait tellement de pouvoir qu'il pouvait combattre les dinosaures. Un peu comme toi, pas vrai? Non, En fait, je ne me suis jamais vraiment battu. Il ne faut pas toujours écouter Golou. Mais il avait tellement de pouvoir qu'il a combattu les dinosaures. Et il courait, et puis il se cachait derrière les montagnes. Et quand les dinosaures le cherchaient, il déplaçait la montagne juste avec ses mains. Waouh! Alors tu es aussi fort que ça? Pas vraiment. J'aimerais être aussi fort, mais quand j'étais petit, je n'ai pas bu cette décoction d'un trait. C'est pourquoi je n'ai pas de pouvoir magique. Eh bien moi, je peux la boire d'un trait. Vraiment? Tu es sûre que tu peux tout boire d'un seul coup? Oui. Je ne te crois pas. Ah bon? Eh ben je vais te montrer comment. Regarde un peu. Tiens. C'était vraiment très bon, cette potion. Et je l'ai bu toute seule d'un seul coup. Et quand est-ce que j'aurai des pouvoirs magiques? Tu es mignonne. Maintenant, tu dois juste dormir un moment. Quand tu te réveilleras, tu auras tous les pouvoirs magiques possibles. D'accord, alors je vais dormir un peu. Ne t'inquiète pas, Suana, tu verras. Je te promets que tu seras en pleine forme. Mmh.
On dirait que toi aussi, tu as besoin d'une potion magique. Non, merci. Tu ne m'as donc pas écouté? Tu n'auras pas de pouvoir magique, sinon. Docteur, donnez-moi des médicaments contre le rhume et la toux. Et pour les maux de tête aussi. D'accord. Merci, docteur. Et je vous appellerai s'il se passe quelque chose dans la nuit ou quand elle se réveillera. Et je suis désolée que vous soyez venu de si loin. Non, ça va aller. Ce n'est pas grave du tout. Avec les comprimés que je vous ai donnés, vous n'avez absolument rien d'autre à prendre. Tout ira bien, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les enfants, marchez vers le terrain de camping, en une ligne, d'accord? Voyons, venez. Cet homme n'arrête pas d'agir intelligemment. Il a fait boire sa potion à tous les enfants. C'est pas efficace, bois-le. C'est bon, n'est-ce pas? Docteur Bosé, buvez un peu de décoction et tout ira bien. Non, merci, je vais bien. Désolée. J'espère que vous n'aurez pas de fièvre vu votre état. À boire si possible. Monsieur Dixit a des pouvoirs magiques. Après avoir bu la décoction, les enfants sont devenus très actifs. Vous voulez dire que... Monsieur Dixit a fait cette potion lui-même? Oui, j'ai passé les tasses, mais... Oui, il l'a fait pour tout le monde lui-même. Mais je ne sais même pas plier un mouchoir tout seul, alors oublie les vêtements. Jusqu'à aujourd'hui, c'était toujours maman qui s'occupait de ça. Moi, je ne sais absolument pas comment m'y prendre. L'homme qui n'a jamais rien fait tout seul a fait une potion tout seul. Bon, c'est moi qui commence. Moi? Non, c'est moi. C'est moi. Attends. Je vais jouer en premier. Donne. Allez, c'est mon tour. Hé, tu t'es réveillée tôt, ça va? Maman, la magie a vraiment opéré et je vais super bien. Tu sais, la potion de Monsieur Dixit est vraiment efficace. Maintenant, je me sens très puissante. On rentre pas à la maison, hein, n'est-ce pas? Vérifie autant que tu voudras, je t'assure, elle va mieux. Parce que celle qui a le courage de boire la décoction d'un seul coup... obtiendra des pouvoirs magiques. Maintenant, je suis super forte. Maman, où est-ce que t'étais passée? Je suis sortie. Rencontrer les parents d'autres enfants, voilà. Entrez! Nous commençons la session feu de camp. S'il vous plaît, descendez. Yeah! Faites attention. Les règles sont claires pour vous ?
personne ne trichera. Et si jamais quelqu'un triche, l'équipe adverse remportera un point, d'accord? Maman, si tu ne me dis pas maintenant ce qu'on fait là, je partirai tout de suite d'ici. Tu vas me le dire? Pourquoi un serpent et un charmeur de serpents? Vicky, regarde, là, nous sommes au camp. Je vois ça, maman, s'il te plaît, dis-moi pourquoi. Oh, je vais te le dire, tu ne peux pas attendre un peu. Quand il était enfant, Dave est allé à un pique-nique. Il a vu un serpent pendant ce pique-nique. Et depuis qu'il a vu ce serpent, depuis lors, Dave a peur à la simple mention du mot serpent. Quand il entend ce mot, il perd complètement la tête. Le charmeur de serpent libérera le serpent et ce serpent obligera Dave à quitter le camp. Voilà, c'est tout. Alors, la petite Swana ne l'appellera pas papa. Alors, les règles sont bien claires? Je ne veux pas que quelqu'un enfreigne les règles. Vous vous rappelez que si vous trichez, l'équipe adverse recevra un point de plus, ok? Alors, quelle équipe jouera en premier? Madame, comme on est des enfants, on va passer en premier. D'accord, à vous l'honneur. Allez, allez, Junior, tu peux le faire. Impressionne-nous. Même si ce n'est pas un serpent venimeux, quel est le but de cette manigance? Oh mon Dieu, mais tu ne comprends rien! Je ne veux faire du mal à personne. Et je ne veux pas non plus tuer quelqu'un. En fait, je cherche juste à effrayer Dave. Il aura peur et quittera le camp. Un seul mot? Un film de Shah Rukh Khan. Non, c'est pas Shah Rukh. C'est de la triche. On n'utilise pas les noms. J'allais prendre un nom, mais en fait, je l'ai pas fait. Tu dois essayer autre chose, Golou. Salman Khan. Dabang. Rechercher. Oui. Ouais, génial. Waouh, incroyable, Golou. Qui représentera l'équipe des parents? Bah, demandez-le à lui, c'est quelqu'un de très populaire. Laissez-le commencer, vous allez voir. Oui, allez, vas-y, ouais. Biksha. Approchez, s'il vous plaît. Est-ce que ce serait possible d'en avoir un autre, s'il vous plaît? Monsieur le célèbre Dave Dixit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Tu ne veux pas jouer? De toute façon, il ne sait pas comment jouer à ce jeu. On va perdre. Bien, on va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a trois mots? C'est de l'anglais ou de l'hindi? Deal. C'est Deal Chatai. Regarde, il parle et il rit bêtement. Ki-ki-ki-ki-ki. Mais attention, ça ne va pas durer longtemps, hein? Vicky, dis au charmeur de laisser sortir le serpent. Allez, c'est parti. Fais sortir le serpent. Tu es venu ici pour rêver ou quoi? Lâche-le. Oui, monsieur. Recule-toi, viens par ici. Thank you.
GenCon. Et maintenant, c'est au docteur Bosé. Moi. Je n'ai jamais vu un plan aussi stupide. Je suis sûr que tu n'as pas vérifié cette information. Tu ne sais pas si ce qu'on raconte est vrai. Imagine un peu que Dave n'ait pas peur. Ou alors si quelqu'un le tue sans que Dave le voie. Oh non, Vicky! Tu penses que même si cela arrive, ses parents laisseront leurs enfants comme ça à l'air libre s'ils voient le serpent arriver? Penses-tu que je n'ai pas prévu ce scénario? Ne fais pas cette tête, idiot! J'espère qu'il n'est pas venimeux. Parce que si c'est le cas, nous sommes fichus. Et je ne vais jamais me le pardonner. Voyons, monsieur. Comment vont-ils savoir que ce n'est pas venimeux? Pour ne pas commettre d'erreur, j'ai tout simplement marqué les paniers. Celui avec une marque rouge est un serpent venimeux. Le panier avec la marque orange est le serpent inoffensif. Celui avec la marque verte est aussi un serpent inoffensif. Mais dans le dos, j'ai apporté un autre panier avec une couleur verte. Ça, c'est super! C'est incroyable. Même les charmeurs de serpents sont organisés. Tu parles trop, toi! Oh mince, j'ai apporté le mauvais panier. Si ce serpent mord quelqu'un maintenant, c'est une mort certaine. Allez, ma tante, vas-y! Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Allez-y, commencez, voyons! Dites-nous! Combien y a-t-il de mots? Allez, vas-y, maman! Et combien y a de mots, alors? Mademoiselle Bosé, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le papier pour que tu n'arrives pas à le mimer? Allez, vas-y, maman! Je sais que tu vas y arriver! Monsieur Dixit, vous ne pouvez pas prendre le papier. Sachez que si vous le faites, les enfants vont recevoir un point de plus. Oui! Oui, c'est vrai! Bah, ne trichez pas, alors, hein? Ah, ah, ok, d'accord, je lui laisse. Mais si je ne prends pas ce papier, sachez que c'est perdu d'avance. N'est-ce pas, mademoiselle Bosé? Tic, 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 un. Tic, tic, deux. Tic, tic, trois. D'accord, ça va, je vais le faire. C'est « Je t'aime ». Oui, je t'aime. Alors, l'équipe des parents obtient un point de plus. Yeah! Ouais! C'est le bon moment. Bon, les enfants, on vous donnera pas de points et puis c'est tout. Wow, Big Sha, je savais que tu trouverais la bonne réponse. Les filles ne tombent pas amoureuses de lui par hasard. Oui, c'est vrai. Son ex lui a envoyé un signal et il a compris. Tous les deux s'entendent vraiment très bien. J'aimerais aussi avoir ce genre de connexion avec quelqu'un. C'est quel serpent? Il ne se dirige même pas vers la foule. Il prend quelle direction là? Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Attends. Oh, où est-ce qu'il est passé l'autre là? Hé! Il est peut-être allé attraper d'autres serpents. Il va bientôt revenir. Ne dis pas de bêtises, hein, ce n'est pas le moment de plaisanter.
Pourquoi regardes-tu ce panier? Regarde plutôt où va le serpent. Le chemin de serpent disait quoi à propos du rouge-orange, du panier vert? Il a dit quelque chose. Il a dit que la marque rouge est le serpent venimeux. Le panier avec la marque orange est le serpent non venimeux et le vert inoffensif. Vicky! C'est le panier rouge, c'est le rouge qui l'a libéré. Oh mon Dieu, qu'a fait ce stupide charmeur de serpent? Oh maman, le serpent! Tu sais bien que Golou est dans ce camp, pas vrai? Oh mon Dieu, mon petit-fils, oh non! Oh mon nom, mais qu'est-ce que je vais faire? Merci. Pourquoi? Juste comme ça. Mais pourquoi? Pour ta compagnie. Je t'en prie. Peux-tu maintenant me dire où est-ce qu'on va? Suis-moi seulement. Je veux juste savoir là où tu m'emmènes. Ne pose plus de questions, suis-moi. Non, dis-le-moi. Oh mon Dieu. Là-bas. C'est un café-restaurant. Ce n'est pas un restaurant ordinaire. C'est le meilleur dans tout Delhi. Oh, cela veut dire que tu ne sais même pas que ce café-restaurant est géré depuis plusieurs années par la même famille et cela fait aujourd'hui 4 générations. Ronita, jusqu'à présent, je me suis toujours intéressée aux petites choses, mais je n'ai jamais pu le partager avec quelqu'un. Maintenant que tu es dans ma vie, je pense que je peux tout partager avec toi, n'est-ce pas? Vraiment? Bien sûr. J'ai encore une autre surprise pour toi. Encore une surprise? Je veux te demander en mariage. Saurabh, mais... Ronita, je t'aime. Veux-tu être mon épouse? Saurabh, je t'ai déjà dit que j'allais t'épouser. Tu l'as dit devant mes parents, mais pas devant moi. Oh. Je te demande en mariage maintenant. Réponds juste à ma question. Dois-je dire oui ou non? Oui. Oui, je t'aime aussi. J'aimerais être ton épouse. J'aimerais toujours avoir les meilleures surprises du monde. Pour toujours et à jamais. Monsieur, prenez ces plats. Je vous les offre. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire une demande de mariage dans un café-restaurant. Merci, monsieur. Nous allons manger dans la même assiette. Apparemment, manger dans la même assiette renforce l'amour. Bien sûr, madame. Mangez ceci, allez. Ensuite, je vous ferai du thé. Merci. Attends. Incroyable. Délicieux. Monsieur? Monsieur? Un seul ne va pas nous suffire. Golo? Où étais-tu? Je t'ai cherché partout, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a, Golo? Tu ne veux pas me parler? Tu ne dis rien à ton Bhiksha? Voyons, ne fais pas cette tête, on a gagné après tout. Golou, allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas envie de te le dire, Bhiksha. Je suis en colère. Tu es en colère? Mais pourquoi et contre qui tu es en colère? Cette tante, elle a dit pendant le jeu qu'elle t'aimait beaucoup. Je suis en colère contre elle. Je l'ai cherchée partout, mais j'ai pas réussi à la trouver. Heureusement que tu ne l'as pas trouvée, sinon je suis sûr qu'elle aurait passé un mauvais quart d'heure. Mais Golou, je ne comprends pas. Pourquoi es-tu en colère? Même si elle me dit qu'elle m'aime, qu'est-ce que ça peut bien faire? Parce que si elle t'aime, elle va te garder pour elle toute seule et moi, j'ai pas envie qu'elle fasse ça. Surtout pas devant la mère de Suhana, sinon elle aussi, elle sera triste comme moi. Golou, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. La mère de Suhana ne sera pas triste. Même pas un tout petit peu? Non, pas du tout. Ok, Suhana?
Elle pourrait sentir triste elle aussi, n'est-ce pas? Elle pourrait croire que t'es amoureux de cette femme et elle penserait peut-être que tu l'aimes plus que sa propre mère. Alors dans ce cas, Suhana se fera de fausses idées sur ta personne, tu sais. Bhiksha, je peux te poser une question? Oui, je t'écoute. J'aimerais savoir si t'aimes la mère de Suhana. Dis maman, pourquoi est-ce que tu n'as pas joué le jeu? C'était pourtant drôle, tu trouves pas? J'arrive pas à comprendre, t'avais pourtant bien joué la première fois. Je n'avais pas envie de jouer. Et maman, tu sais quoi? Je pensais que tu n'avais pas la réponse. Comment Monsieur Dixit a-t-il fait pour trouver le nom du film? Est-ce que Monsieur Dixit et toi, vous avez un code secret pour décrire votre amour? Comment est-ce qu'il a fait pour réaliser que tu voulais lui dire ces trois mots? Non. Je l'aimais avant. J'étais très amoureux d'elle. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Je la déteste. Mais pourquoi? Parce qu'elle m'a caché ma fille Suhana. Elle m'a caché la plus belle chose de toute ma vie. Ça m'a vraiment blessé. Ok, eh ben moi aussi je la déteste là. Quoi? Pourquoi tu la détesterais? Bah parce que toi tu la détestes, hein, n'est-ce pas? Alors moi aussi je vais agir comme toi. Non, Golo, arrête. Si je la déteste, ça ne veut pas dire que tu devrais aussi la détester. Cette histoire, vois-tu, ne concerne que ton oncle et ton ex-tante. Ta tante, je veux dire. Écoute, cette femme, c'est ta tante. Et elle est aussi la mère de Suhana. Tu devrais avoir de bonnes relations avec elle. Ok. Non, Suha. Il n'y a aucun code. Crois-moi, oui. Ok. Tu veux me demander autre chose? Maman, écoute, si jamais tu devais dire je t'aime à Monsieur Dixit, est-ce que cela viendrait du fond de ton cœur? Tu te souviens à Kolkata lorsque j'avais dit que tu pouvais appeler ton papa si tu le voulais vraiment et que tu pouvais le rencontrer si tu le souhaitais, que tu allais le rencontrer quand tu viendrais à Delhi, tu te souviens, n'est-ce pas? Oui, maman, t'inquiète pas, je m'en souviens. J'ai fait tout ça parce que je veux... En fait, ce que je veux, c'est t'offrir une grande opportunité pour que tu fasses connaissance avec ton papa. J'ai décidé de donner une deuxième chance à Monsieur Dev Dixit et je l'ai fait dans le but d'obtenir des preuves. S'il peut devenir un bon papa pour toi ou pas. J'aimerais que tu puisses avoir, bien sûr, comme d'autres enfants, l'amour de ton père et celui de ta mère. Je serai très heureuse, tu sais, si cela arrive un jour. Cependant, Suha, c'est aussi vrai que ta chère maman et ton cher papa ne peuvent pas vivre ensemble. Tu aimerais peut-être que tes parents se remettent ensemble comme tous les autres parents. Mais je suis désolée, Suha, ça ne peut pas être possible. J'aimerais que tu gardes toujours à l'esprit qu'on pourrait ne pas être ensemble. Nous allons toujours t'aimer aussi fort jusqu'à la fin de nos jours. Tout comme les autres parents aiment aussi leurs enfants, je pense même un peu plus. Maman, je le sais très bien, tu devrais pas t'inquiéter. Je te promets de ne pas être triste, parce que tu es avec moi. Et tu es la meilleure maman du monde de toute façon. Mais je dois dire que Monsieur Dixit n'est pas mal non plus. Oh mon Dieu, mon Golou. Oh, mais Golou. Qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille. Dois-je me concentrer sur toi ou... Vicky, notre Golou... Vois, là, regarde. De quel côté? Il grimpe sur la fenêtre, il grimpe. Il entre dans la chambre de quelqu'un, Vicky. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh mon Dieu, oh. J'espère que ce n'est vraiment pas celle de Golou. Salut Suhana! Salut Golou! C'est je t'aime? Oui, je t'aime! Suhana, prépare-toi. On va tous aller dîner. Ok, Monsieur Dixit. Au revoir, Golou. Bye, Suha. Bye.
Dis-moi, Soa, tu veux te changer ou tu veux sortir comme ça? Je suis confuse. Pourquoi est-ce que tu es confuse? Ne dois-je pas être confuse? Est-ce que tu veux que je change de vêtements ou je reste comme ça? D'accord, madame. Tu réfléchis et tu me dis, d'accord? Moi, je vais aller me changer tout de suite. Ok, ok. Soa, allez, lève-toi. Non, maman, j'ai envie de me reposer. Et change de vêtements, on doit aussi aller dîner. Non, maman. Comme tu veux, je te laisse ici et je m'en vais. Non, maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Serpent. Maman, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'entends pas ce que tu me dis. Chut. Chut, 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 chut. Chut, tais-toi. Dépêche-toi! Allez, viens! Allez! Bigsha? Bigsha, tu m'as pas dit ce que t'as fait? Ce que j'ai fait? T'as pas entendu des voix, des bruits très très forts qui venaient de la chambre de Soana? Moi, je pensais que t'étais encore en train de faire une farce. Qu'est-ce que tu as entendu, dis-moi? Parce que sérieusement, je n'ai rien fait, Golou. Quand ça? Eh bah, tout à l'heure. Tu joues pas la comédie, dis-moi. Non, Golou, je t'assure, allons voir ce qui se passe. Allons-y. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Pardon, excusez-moi. Oui, un serpent. Comment ça, un serpent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as crié? Soana, est-ce que tout va bien? Monsieur Dixit, il y a un serpent dans notre chambre. कुछ रंग प्यार के